bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes donc le 26 août, il est 16h48. Je vais donc à la poste. Désolée, je suis en plein soleil, j'ai très mal au crâne, pire qu'une gueule de bois là, clairement. Le réveil est très compliqué, j'ai un mal de chien. Pas possible, voilà, ma tête elle a très mal au crâne. Oui, vous voyez que je suis réveillée, ça fait peur. J'ai encore pas bu mon café, hein, clairement. Je suis allée déposer la commande d'Ophélie vers 8h ce matin. Voilà, et après bah, je me suis couchée, il devait être 8h30 pour me réveiller. Donc à 16h15, bien sûr j'avais sorti les chiens une première fois avant 8h. J'avais sorti vers 8h moins le quart. Et là je les ai ressortis en me réveillant. Désolée pour cette coiffure, hein, mais bon, là, je suis en état de larve absolue. J'ai le crâne en vrac, donc j'ai pris un médoc. Oh non, c'est pas possible ça. J'ai pris donc un médoc, j'ai pris un Spiffen, en essayant que ça se calme. Voilà, c'est tout un art les gars, je suis au bout de ma life, l'herbe sur la route c'est pas mal. Ou en bus. Merci le bus. Merci le bus, il me laisse passer le bus. Attention. Donc voilà, et en fait donc là je suis vraiment claquée, je rentre, je fais le fondant du jour, hein, clairement, parce que je ne l'ai pas encore brûlé, parce que je viens techniquement de me réveiller. Donc le fondant du jour c'est noix de coco, je connais, c'est une valeur sûre, voilà, c'est une valeur sûre, donc ça il n'y a pas de problème. Donc voilà, est-ce que la poste, non la poste est ouverte, c'est qu'on vient de voir la porte, je n'ai pas envie de me faire avoir comme... Comme souvent. Souvent tu arrives et la poste n'est pas ouverte. Ça, c'est un art. C'est la poste de ma ville, clairement. Tout un art. Non, bon. Oh, je suis dans un état de mal de crâne. J'ai l'impression que j'ai une gueule de bois monumentale. Ah, ça pique, hein. Puis le réveil, en même temps, il était très, très, très compliqué. Oh non, c'est de coiffure. Le réveil est très très compliqué pour moi. Je suis claquée. Attendez, hop, je vous reprends. 16h51. Il a fallu que je tombe sur mon voisin. Je suis tombée sur mon voisin au moment où je rentrais dans la poste. Heureusement, moi j'ai juste eu à donner mon colis. Voilà. Ils ont dû avoir un souci d'ordinateur parce que mon voisin me dit qu'il faut attendre 5 minutes. Donc est-ce qu'ils n'ont pas eu une panne? Et le temps que le système se remette en route. Leur ordinateur du moins, parce qu'après les... Normalement les scanettes, elles n'ont pas le même problème. Donc j'ai donné mon papier, j'ai donné mon colis, mon retour. Et voilà. Et la commande qui m'a été passée par Yolande est bien partie donc ce matin. Voilà. Elle est bien partie donc ce matin de ma boîte. Voilà, donc mes deux commandes sont parties. Je suis désolée, hein, je suis claquée. Pas bu de café, rien. C'est très compliqué pour moi. Très, très compliqué pour moi. Je te le dis, je vous le dis. En plus, je suis en t-shirt. Et il commence à faire chaud. Ce matin, on avait 19 degrés dans l'appartement. J'étais congelée. Mais bon. Désolé, il y a du monde. Bah, me laisse pas passer, connasse. Je suis devant le passage piéton. J'allais pas m'engager, je savais qu'elle allait pas s'arrêter.
Des fois, je me demande à quoi servent les passages piétons. Parce que bon, t'as beau être devant, les gens ils s'arrêtent quoi. Oh mon crâne les gars. Youp là. Oh, je rentre bientôt chez moi, je vais pouvoir me poser, café. Fondant. Manger un petit truc, ça serait pas mal. Oh, j'ai les bras, ils pèsent une tonne. J'ai mes bras, ils pèsent une tonne, clairement. Mais écoutez, je reprends après. À toutes. Il est 19h25. Je vous ai pas repris depuis que je suis allée à la poste. J'ai filmé le fondant du jour. Les chiens ont mangé et sont sortis. J'ai été au téléphone avec Gwendoline. Et là, j'ai fait ma feuille du réassort que je dois faire. Je ne sais pas quand je le ferai. Il me reste encore du stock. Je dois faire abricot, coco citron vert, fleur de coton qui ne partait pas du tout au début et maintenant il n'arrête pas de partir. Fleur de sakura, linge propre, monoï, mur myrtille, coco, vanille, pêche, lilas, muguet, savon d'ove, bébé doux, fraise et menthe douce et chic. Voilà. Donc j'ai tout ça à refaire et après il faudra que j'attaque les fragrances américaines. Les fragrances américaines, vous devrez attendre, clairement. Faut vraiment attendre les fragrances américaines, mais elles arriveront d'ici début septembre, voire mi-septembre. Mais elles arriveront, ne vous inquiétez pas, elles arriveront. Mais d'abord, je me focalise sur le stock que j'ai. Et en plus, il faut aussi que je fasse les CLP. Donc j'imprime les CLP, parce que les CLP sont faits. Il faut que j'imprime tout ça. Et voilà. Donc là, pour l'instant, c'est compliqué. Donc, je fais comme je peux. Je fais à mon rythme. Voilà, je fais à mon rythme, clairement. Donc, voilà. Donc je rappelle que le site, c'est lesfondantsparfumetdanou.com et que si vous n'avez pas encore bénéficié du code HOP, bienvenue 5, vous bénéficiez de 5% à partir de 5 euros d'achat minimum. Sur le site, j'ai écrit que je faisais l'arrêt définitif du format boule de glace et le format boule de glace est passé à -20% et en fait il n'y a pas de limite sur la quantité quoi, sur le prix. Voilà, c'est 2 euros minimum puisque c'était le prix de base de la boule de glace. Donc voilà, donc là la boule de glace passe à 1,60 € je crois. Donc voilà, donc après si vous souhaitez il y a encore quelques boules de glace, mais voilà. Donc ce format sera définitivement arrêté puisqu'il ne fonctionne pas. Clairement, il ne fonctionne pas. Après, limite, si vous voulez des formats boules de glace pour une occasion, moi je peux vous faire à la commande. Bien sûr, pour les commandes personnalisées, clairement, je demande un acompte. Voilà, je demande un acompte. Donc si là c'est un format qui n'est pas du tout vendu, voilà, ce n'est pas un format qui est vendu, tandis que si on me demande une commande de fondant qui existe déjà mais vous voulez un stock au-dessus, là je demande pas d'acompte parce que vous allez automatiquement passer par le site. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Je suis décalquée, clairement. Le mal de crâne est passé, voilà. J'ai pris mon café, j'ai pris tout ça. Ça va beaucoup mieux. Les chiens, hop, son carpette aussi. Le chat, c'est lors de la toilette. Donc, voilà. Donc, écoutez, oui, j'ai fait les courses cette nuit. Et en fait, au moment où j'ai voulu payer les courses, il n'y avait plus de créneau demain entre 7h et 9h. Et de toute façon, j'avais augmenté le... J'avais mis plus de choses dans le panier. Donc automatiquement, je n'avais plus de frais de port. Donc comme je n'avais plus de frais de port, plus j'ai eu 10 euros de réduction sur ma commande.
Donc comme j'ai plus les frais de port, bah, j'ai pris 17h, 19h demain. Donc voilà. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant. Ça me gratte. J'irai prendre ma douche un peu plus tard. Ce soir, il faut finir la cuisse de dinde. Donc il faut que je la dépiote et que moi j'ai encore ma ratatouille à manger. Donc clairement, moi je peux manger juste ma ratatouille, ça me va très bien. Je laisse la cuisse de dinde à Jen. Parce que Jen a besoin de viande à chaque repas, tandis que moi je peux m'en passer très bien. Et en plus, dans ma ratatouille, il y a du riz. Donc voilà. Légumes et féculents, ça me va très bien. J'ai pas forcément besoin de viande. Donc voilà. J'ai pas forcément besoin de viande, donc ça va. Je ne sais pas quand mon chéri viendra. Je n'ai pas de nouvelles. Je n'ai pas de nouvelles, du moins depuis hier. Aujourd'hui, j'en ai pas eu. J'attends qu'ils me disent quand il viendra. Normalement, il est censé venir soit ce soir, soit demain. Mais bon, j'ai l'impression que c'est la galère. Parce que en fait, c'est pour venir qu'il galère. Parce que sans argent, c'est compliqué. Donc, faut qu'il arrive à trouver quelques euros bah, pour payer les transports en commun pour venir. Voilà. Donc, ça, c'est notre histoire. Ou alors, faut qu'il s'arrange avec son pote. Donc le chauffeur qui emmenait Z aussi, mais pas l'autre, hein, pas le tarien. L'autre chauffeur d'avant, qui les déposait et qui revenait les chercher après son travail. Donc voilà, mais faut qu'il s'arrange avec lui. Voilà, faut qu'il s'arrange avec lui parce que pareil, comme il est chauffeur VTC, il fait payer les courses. Donc, puisque ça reste son travail. Donc voilà, donc faut qu'il s'arrange, soit pour le payer plus tard, soit des trucs comme ça. Donc c'est très compliqué. Voilà. Alors, je continuerai sûrement les retours de course. Je continuerai sûrement les retours de course, puisqu'on m'a dit que ça plaisait. Chez certains, ça plaît, chez d'autres, ça plaît pas. Mais après, je veux pas de réflexion sur certaines choses, car oui, il y aura des choses pour mon chéri, parce qu'en fait, bah, le fait qu'il ait pas d'argent pour le moment, quand il vient à la maison, c'est vrai qu'il grignotait n'importe quoi. Et je me dis, quitte à ce qu'ils viennent, autant qu'ils mangent un vrai repas. Donc c'est pour ça que je prends de la viande halal, je lui prends des choses halal, je lui prends de la harissa, tout ça, parce que bah parce que c'est ce qu'ils mangent. Voilà. Ils mangent de la harissa, tout ça, ils mangent des choses comme ça que moi je ne mange pas, mais voilà. Donc, je ne veux pas de réflexion du style, mais tu payes les courses et tout. La viande, qu'elle soit halal ou non, Jen et moi, on la mangera. Hein. Donc, en fait, c'est pas ça qui va nous empêcher de manger la viande. Hein. C'est juste pour lui qu'il puisse faire un vrai repas. Parce que quand il venait, bah, à part pain au lait, il mangeait des pains au lait, c'était pas un vrai repas. C'était pas un vrai repas, donc voilà. Et comme dans mon frigo, il y avait que du halouf, c'est compliqué. Donc voilà. Donc là, je ne sais pas quand il vient. On verra bien. On verra qu'il me donne des nouvelles ou non. Je n'ai pas de nouvelles pour les cendres de cannelle. Je pense que je peux attendre encore une semaine, voire plus. Parce que je ne sais pas quand ils ont récupéré le corps. Voilà, la relevée du corps, on ne sait pas quand ils l'ont faite. Et des fois, ils ne font pas des déplacements toutes les semaines, hein. Donc voilà, ça dépend de la capacité du congélateur. Voilà. Et normalement, je dois recevoir ma commande Temu demain pour les affaires justement de cannelle pour préparer sa petite alcôve. Voilà, j'installerai tout demain, comme ça sera prêt à recevoir les cendres. Et je vous montrerai un peu l'installation, comment ça donnera. Voilà, comment ça donnera. Désolée, ma voisine gueule, mais elle est sourde comme un pot. Voilà. Désolée, vous devez l'entendre, hein, même si je veux pas que vous l'entendiez, elle hurle tout le temps sur sa sœur. Après, j'ai déjà expliqué que sa sœur n'a pas toute sa tête et que ma petite voisine ne comprend pas forcément. Et comme elle est sourde, elle s'énerve et elle lui crie dessus. Nous, on a l'habitude. Mais après, des fois, quand tu dors et que t'entends qu'elle gueule sur sa sœur, t'es pas très contente, mais au bout d'un moment, tu fais abstraction. En fait, c'est comme l'église, des fois on l'entend plus. Hein.
Des fois, l'église, on ne l'entend plus. Donc, on fait comme on peut. Voilà, on fait comme on peut. Le fondant du jour, c'est donc le fondant noix de coco. Là, il brûle, il diffuse plutôt bien. Donc, voilà. J'ai fait du rangement. Les caisses des chiens sont passées, sont démontées et ont été mises sous mon lit. J'ai rangé un petit peu. J'ai pu mettre les bouteilles d'ice, non pas d'ice, les bouteilles de Pepsi qui restent. J'ai pu les ranger. Comme ça, je pourrais aussi ranger les bouteilles d'eau, les bouteilles de cristalline. Puisque techniquement, c'est pareil. J'ai déjà dit que je prendrais de l'eau, mais c'est pour mon copain, puisque moi je ne bois techniquement de l'eau du robinet, mais lui non. Et après, bah, s'il vient et qu'il boit de l'eau, de toute façon, l'eau ce n'est pas perdu. Et de toute façon, si vraiment j'ai envie de boire de l'eau, je pourrais boire de l'eau. C'est pas de la cristalline qui va me tuer, même si je suis habituée à boire de l'eau du robinet. La cristalline, c'est une des meilleures eaux au goût. Voilà, qui se boit parce que là, bon, moi je suis habituée, je bois beaucoup, j'ai bu beaucoup de Contrex pendant un moment, ça ne me dérange pas. Par contre, l'eau la plus dégueulasse, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est la Volvic. Elle est immonde cette eau. La Volvic, elle est immonde. L'Épar, on n'en parle même pas. C'est ignoble. Mais non, mais la Volvic, parce que on va dire l'Épar, elle a un sens pour que tu la prennes. Mais la Volvic, elle n'est pas bonne. La Contrex aussi, elle a un sens. Mais d'un côté, la Contrex, moi je suis habituée, je peux en boire et ça ne me dérange pas. Mais après, voilà, l'eau la plus basique qui n'a pas de goût, ça reste la cristalline, quoi. Après, c'est la moins chère. Et pareil, Gwendoline m'a dit, mais pourquoi tu prends pas les bidons? Vous savez, les bidons de 5 litres. Mais techniquement, si mon copain ne vient pas tout le temps, un bidon de 5 litres, je peux pas le prendre. Il va être gâché. Et puis, de toute façon, l'entreposer, on l'entrepose où le bidon de 5 litres? J'ai pas de place. J'ai pas de place, faut que j'arrive à caser des choses. Faut que j'arrive à caser des choses, c'est très compliqué. Très compliqué, donc voilà, faut que j'arrive à caser des choses. Faut que je refasse le rangement de mon meuble. Là où il y avait tous les gâteaux, il y a quasiment plus de gâteaux. On a mangé tous les gâteaux. Voilà, on a fini les gaufrettes, parce que Jen a fait une overdose de gaufrettes. J'ai fini les gaufrettes. Pareil, les petits écoliers, elle a fait une overdose. Moi, il me reste des palmiers au citron. Voilà, c'est ce qu'il me reste en gâteau. Il me reste quelques sponges. Quelques sponges, il doit me rester 4 gâteaux. Voilà. Après, j'ai plus de sponges. Donc voilà. Et après, bah voilà. Donc en gros, il faudrait que j'arrive à organiser ce côté. Parce que pareil, je vais prendre pour les courses du mois de septembre, je vais prendre du pain à pré-cuire, quoi, qui est pré-cuit à cuire. Parce que c'est vrai qu'on ne mange pas de pain, parce que ça coûte cher. Et en fait, c'est une alternative. Déjà, un, c'est des demi-baguettes, donc c'est pas gâché. Et après, bah, ça reste bon. Donc je comptais prendre 10 paquets de 4 baguettes. Ça fait 40 pains, mais après, ça se garde, hein, techniquement. Ça se garde. Et après, bah, de toute façon. Si mon copain vient et puis il mangera une baguette à lui tout seul, quoi, une demi-baguette à lui tout seul, voire deux baguettes, hein, deux demi-baguettes. Ça, je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique pourquoi les Maghrébins, excusez-moi, ils adorent manger du pain. Je ne comprends pas. La baguette, c'est leur vie. C'est leur vie, la baguette, quand ils sont en France. Bon, vous me direz, j'adore le pain tunisien, le pain plat tunisien, j'adore ça. Mais en fait, pourquoi ils mangent autant de baguettes? Je comprends pas. Ils mangent vachement de pain. Et en plus, la baguette, c'est cher. C'est plus d'un euro. Et je sais que, pareil, mon beau-frère, il peut manger une demi-baguette avec l'huile d'olive. Voilà. Il peut manger ça. Ou avec les œufs, tomates, piments. Je n'ai jamais compris cette histoire. Alors, ils peuvent manger ça avec une baguette. Et c'est hallucinant le nombre de baguettes qu'ils peuvent manger. Donc c'est pour ça que la meilleure alternative que j'ai trouvée, c'est le pain pré-cuit. Donc voilà, c'est le pain pré-cuit, c'est la meilleure alternative que j'ai trouvée. Donc ça, pareil, il faudra que je le range. Normalement, je le congèle le pain comme ça, mais là, je ne peux pas congeler 10 paquets.
parce que dans le congélateur, il va y avoir pas mal de viande, puisque je prends beaucoup de viande halal et automatiquement je vais congeler. Les blancs de poulet, les cuisses de poulet, tout ça, je vais congeler. J'ai pris des cordons bleus halal, je vais les congeler. Voilà, je vais essayer de congeler un peu tout. Les merguez, pareil, je congèlerai. Donc il faut que je fasse de la place dans mon congèle. Voilà. Il faut que je finisse ma glace, il y aura un peu plus de place. Et voilà. Et puis après, bah, faut trouver de la place. Et on m'a dit, mais pourquoi tu vas pas en boucherie halal? C'est moins cher et c'est de meilleure qualité. La boucherie halal la plus proche est assez loin et je suis pas véhiculée. Je ne suis pas véhiculée pour aller en boucherie halal et je ne peux pas demander à ma mère de m'emmener en boucherie halal parce qu'elle va me dire, voilà. Elle va me dire, bah tu payes de la bouffe pour ton copain. Je me tais, je dis plus rien. Donc je me débrouille par mes propres moyens. Je me débrouille par mes propres moyens. Donc voilà. Donc malheureusement, il y a très peu de choix halal au champ en livraison. Peut-être que si j'allais dans le magasin, il y aurait plus de choix. Mais après, ouais. Mais après, c'est vrai que la viande, à part du poulet, t'as pas beaucoup de choix en halal à Auchan. Je sais que pour Carrefour, j'ai pris des boulettes de bœuf halal. J'ai pris des boulettes de bœuf, c'est pour faire un repas style spaghetti boulette ou un truc comme ça. Ça fait longtemps. C'est un repas qui fait très longtemps que j'ai pas mangé. Donc bon, on peut toujours faire ça. On peut toujours faire ça. Après, pareil, les cuisses de poulet que je prends au champ en espérant qu'elles soient encore disponibles en septembre. C'est 3 kilos, hein, c'est 3 kilos de cuisses. Clairement, j'ai pris des papillotes pour les faire en papillotes. Tomate, paprika. Et après, bah pareil, de toute façon. Donc voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ah, écoutez, je finis ma gorgée de café. Je vais sûrement m'en refaire. Parce que ça, c'est la bouteille d'hier. Hein. C'est ma bouteille d'hier, c'est pas ma bouteille d'aujourd'hui. Je vais me refaire un café. Et puis voilà. Écoutez, je vous dis à toutes. Il est 23h18. Oh, je me suis réveillée à 22h15 parce que je me suis posée. Il était presque 21h. Je suis claquée. J'ai pas encore fait le montage du vlog. Enfin, parce que je m'y mette. On va pas tarder à manger. Pourquoi j'ai dit 23h18. J'ai dit l'heure, je sais plus. Ouais, je suis à la ramasse. J'ai été au téléphone avec Jeanne. Voilà, Jeanne m'a appelée. Donc, ouais, donc là, je suis. Mes yeux, ça va. J'ai pas encore pris ma douche, faut que j'aille la prendre. Mes yeux, encore ça va, ils sont pas trop dégueux. Ouais, donc là, on va manger. Jean-Mi n'arrête pas de crier famine. Et comme j'ai grossi, voilà, c'est officiel, j'ai grossi. Ma nouvelle balance n'est pas d'accord. Et moi non plus. J'ai pris 2 kilos. J'ai pris 2 kilos. Voilà, j'ai pris un peu plus de 2 kilos même. Parce que techniquement, j'étais à 60, entre 64,5 et 65 et je suis à 67. Voilà. Ça dépendait des jours. Donc, on va faire attention. On va arrêter de bouffer des conneries. Hein? Je vais finir les gâteaux avant. Et après, je fais attention. Non, non, c'est vraiment. C'est n'importe quoi, les gars. J'ai pris du poids. Je suis dégoûtée. Le but, c'est pas que je regrossisse. Mais je voyais bien, on voit avec mes clavicules. On les voit plus. On les voit plus, mes clavicules. Je savais bien que j'avais grossi. Je le voyais bien. Là-bas, je me base sur mes clavicules. Mais bon. Melba est sous la couette. Muffin fait dodo. Charlie, il va s'envoler tellement il ronronne. Donc voilà. Donc, j'espère ne pas me coucher trop tard cette nuit. Cette fois, vraiment, je suis crevée. Faut que je me réveille à 16h30 demain, puisqu'entre 17h et 19h, il y a les courses. Entre 17h et 19h, il y a les courses. Donc, faut que je me réveille clairement à 16h30. Voilà. Donc, même si je sais que je suis jamais livrée en début de tournée, mais bon, pas grave. On sait jamais, c'est là qu'à ce moment-là, je suis livrée en début de tournée, donc on sait jamais, ça arrive. Hein. Ça arrive. Donc, bah, c'est comme Auchan. Hein. Auchan, il me livre soit avec 10 minutes de retard, soit avec une heure d'avance.
Donc bon. Alors qu'en plus, je demande pas à être livré 1 heure en avance. Normalement, il y a une petite croix pour cocher au champ si vous voulez être livré 1 heure en avance. Ben non, je la coche pas cette croix parce qu'effectivement, quand tu donnes 1 heure, tu donnes 1 heure. L'autre, il m'appelle, des fois, il m'appelle. Vous êtes là? Non, je suis pas là. C'est. Mais bon, ça grave. Donc, ouais, 141 € de course. Donc, je vous ai dit essentiellement de la bouffe. Les seuls trucs qui sont pas de la bouffe, c'est les protège-slips, les rasoirs et du dissolvant. Sinon, ce n'est que de la bouffe et de l'eau et du Pepsi. Sachant que je bois pas de Pepsi, ça te gêne. Et l'eau, bah, je peux en boire, je peux boire de l'eau, hein, mais je fais comme des réserves au cas où. Comme ça, voilà, si. De toute façon, demain, mon chéri doit venir. Voilà, il doit venir demain. Voilà, il faut qu'il vienne demain. Donc voilà. Donc à partir de demain, bah, j'aurai de l'eau, il pourra boire de l'eau. Et comme ça, après, bah, il repartira avec sa bouteille, clairement. Parce que je pense qu'il va boire à la bouteille. Hein. Bon. Donc voilà. Donc écoutez, bah, j'étais dégoûtée, j'attendais le vlog de Sandrine, mais en fait, il n'y en a pas aujourd'hui. Ça sera un vlog de 2 jours demain, parce que je voulais savoir sa réaction avec sa commande, parce qu'elle a reçu son colis aujourd'hui. Mais bon. Je pense qu'Ophélie recevra sa commande demain. Quand vous verrez ce vlog, je pense qu'elle la recevra ce jour-là. Puisque, en fait, c'est déjà mis sur la plateforme. Donc, il y a eu un relevé aujourd'hui et c'est déjà mis sur la plateforme. Donc, c'est déjà en transit. Ma commande Temu est en transit. Voilà, elle est en transit, elle a passé le dédouanement et elle est transmise au transporteur. Donc je pense que je l'aurai demain. Mais ça passe dans la boîte aux lettres, il n'y a pas de problème. J'aurai pas à me réveiller. Tout à l'heure, je vais à la boîte aux lettres, je vais, putain, j'ai un colis. C'est un colis Amazon. Je dis, ah, c'est peut-être ma coque, parce que j'ai commandé une nouvelle housse de téléphone, parce que la mienne, c'est le bordel, c'est Bagdad, j'ai dû la recoller, voilà. Et comme je ne change pas de téléphone tout de suite. Je commandais une nouvelle housse. Et en fait, je l'ai peut-être reçue. Peut-être au début, je touche, je fais, mais c'est quoi et tout? Je touche et je vois un paquet rectangulaire. Alors qu'il est carré, hein. Et en fait, je sais, bon, bah, ça doit être ma coque. J'ouvre le paquet. Ah non, c'est pas ma coque. Je fais, mais j'ai jamais commandé ça. Après, je fais à Jen, je fais, t'aurais pas commandé des écouteurs? Fait, si, si, les tiens, ils sont morts et tout. Je fais, bah, préviens-moi, j'ai ouvert ton paquet. Donc voilà, j'ai ouvert ses écouteurs. Donc bon, pas très grave. Mais moi, c'est dingue, il va falloir que je me rachète des écouteurs. Mais les seuls écouteurs que je mets, c'est ceux que j'ai passés à Jen. Et ça, pour les trouver, c'est la galère. Voilà, c'est la galère pour les trouver. C'est ceux-là qui prennent derrière. Parce que moi, j'ai des petites oreilles. J'ai des petites cavités là. Et les écouteurs simples, ça me fait mal. Et en plus, ça tient pas. Donc il me faut que j'ai vraiment voilà. Après, c'est parce que je me sers de mes écouteurs. Hein, mais la base des écouteurs était pour mon MP3. Oui, j'ai encore un MP3 clé USB dans mon sac. Hein. Ah bah ben oui. Avec des musiques dignes de du MP3. Ça passe par. J'ai du sniper. J'ai du rock. J'ai du métal. J'ai les boys band. J'ai des chansons et besoin de rien envie de toi. Voilà. J'ai Jeanne Masse. La bonne chanson française. J'ai du Indochine, bien sûr. Très peu d'ailleurs. Je crois que j'ai viré mon dossier Indochine, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai. Après, je garde ce MP3 parce que l'avantage, un, c'est qu'il marche à pile, quoi, il fonctionne à pile. Déjà, j'ai pas le souci de rate de batterie. Et après, le fait que comme c'est une clé USB, imaginons, je vais chez quelqu'un qui va me transmettre un fichier. Et voilà. C'est rare d'avoir des clés USB sur soi. Hein. Bon, après, il fait 15 gigas le truc, donc je vais pas aller bien loin. Mais enfin, tu peux pas mettre un film dessus, quoi. Clairement. Quoi, si, j'ai un film dessus. Et après. C'est tout un art, hein. Bah oui, mais moi je suis restée à l'époque, MP3. L'époque MP3 clé USB, c'était la vie, hein. C'était la vie. Très éclectique, mais c'était la vie. Je peux pas faire plus éclectique que moi, hein. Je peux passer du Lac des Cygnes à Marilyn Manson, quoi, les gars. Donc oui.
Très éclectique. Après, hein, j'aime bien. Moi, je reste dans tout ce qui est plutôt rock, rock des années 80. Plutôt ça. Surtout les chansons, ouais. Europe, tout ça. Ça, je reste. Pas de soucis. Scorpion, Queen. La base, quoi. La base. Je vais peut-être me télécharger du Bon Jovi, moi. J'aime trop Bon Jovi, mais j'en ai pas téléchargé. J'aime trop. Bah ouais, écoutez. C'était bien les mélodies rock de l'époque. Peut-être du rock avec des belles paroles. Parce que maintenant, comment dire que c'est compliqué la musique française? T'écoutes quoi comme musique française? J'écoute Jul. Ah. Ayana Kanamura. Non, ça, c'est pas de la musique française, les gars. Ça, c'est la musique de j'ai plus de Becherel, hein, s'il vous plaît. J'ai perdu mon Becherel, je l'ai brûlé. Non, mais, les gars. Il y avait quoi aussi? Djajou? Non, c'était quoi? Djajou, ouais, Djajou, de Bouffou. Ah, Maître Gims, encore, il y a des paroles. Zombie, Maître Gims, moi, je l'aime beaucoup. Mais bon, après, on a eu Black M, hein. On a eu Black M. Oui, c'est le même groupe, hein. C'est le même groupe de base, hein. Truc bon. Mais après, voilà, il y a des limites à... au supportable. Dit-elle en écoutant C'est le printemps, je suis content. C'est bien, je suis contente, c'est le printemps. Ou la petite patate. Ouais, bah écoutez, j'écoute n'importe quoi. Je peux écouter Lapin Câlin, la chanson des cuissots de Muffin, le gigot d'agneau. Elle est où Mariette là? Elle est plus sous la couette. Eh? La crevette? T'as disparu où? Melba? Bah t'es là. Oula, oula, qu'est-ce que tu. Oula, qu'est-ce que t'as mangé? Bah, te punis pas toute seule. Mais je t'ai pas puni, amène-toi. Je t'ai pas puni, je t'ai demandé ce que t'as mangé. Ce chien est bizarre. Mais ma cravate. Mais qu'est-ce que t'as fait une connerie ou quoi? T'as fait une bêtise? T'as fait la bêtise ou quoi? À mon avis, t'as fait la connerie. Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait la connerie. On va aller vérifier ça après, hein. Elle a fait la bêtise. Regardez-moi cette tête de coupable. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Oh oui, mon père. Qu'est-ce que t'as fait comme... Bon oui, mais l'autre, il met sa tête sur mon bras. Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? T'as fait quoi la bêtise? T'as fait quoi? T'as mangé quoi? Qu'est-ce que t'as pu manger? Il n'y a rien à manger par terre. T'as mangé quoi? Elle va pas me répondre, je sais. Faut que j'arrête de parler à mes chiens. Ils vont jamais me répondre. T'arrêtes de faire ta tête de victime. Arrête de faire ta tête de victime, mon chien. Oula. Oula. Oui, mon couillon, c'est pourquoi. Non. Oh, tu pues de la bouche. Ne me lèche pas, tu pues. Ouf, ouf. Monte tes amygdales, vas-y. Ça a des amygdales, mon chien. Question existentielle, est-ce que les chiens ont des amygdales? Ce serait con si ton chien avait une angine. T'as les amygdales, mon chien? Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Je t'ai pas dit remue la queue. Mais je t'ai pas dit de te mettre les quatre fers en l'air. Mais c'est pas possible, ce chien. Oui, il gratouille, gratouille. Gratouille, gratouille, gratouille. Gratouille. T'es moche? T'es pas belle? Bah oui, t'es pas belle. Oui, bah oui, mets-toi les quatre fers en l'air, c'est mieux. Donc moi, il faut que je m'apprête à travailler. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand. Parce que là, mon copain vient. Mais je ne sais pas quand il repart. Tout beau. Soit il reste 2, 3 jours. Écoutez. Il veut s'éloigner un petit peu du cercle de là où il est. Il a besoin de repos. Vu ce qui s'est passé ce matin,
Z qui nous appelle en panique. J'ai perdu E, je sais pas où il est. Il était juste en train de dormir dans une pièce à côté. Mais c'est pas grave. Et en plus, quand Z ne dort pas, personne n'a le droit de dormir. Et quand il dort, personne n'a le droit de dormir. Z, quand il dort pas, il réveille tout le monde. Parce que c'est pas le. Il faut pas que ce soit le seul réveillé. Par contre, quand il dort, bah personne ne dort parce qu'il ronfle et qu'il fait trembler les murs. Mais le coup de j'ai perdu E, il était paniqué, fait j'ai perdu E, est-ce qu'il est chez toi? Est-ce qu'il est chez toi? Alors qu'il dormait dans la pièce d'à côté. Ben ça devient grave, hein. En même temps, il était 6h30 du matin. Jen, la pauvre, elle se lève pour faire pipi. Elle n'aurait pas dû décrocher son téléphone. Après, c'est moi qui l'aurais appelé de toute façon. Elle a décroché son téléphone et là, ça a été le carnage. Ça a été le carnage. Après, bah moi, j'ai attendu 8 heures. J'ai sorti les chiens, ça je vous le dis un petit peu. Puis après, j'ai allé déposer le colis d'Ophélie. Puis après, bah, j'ai ouvert le vlog et je descendais à la poste. Ça, vous l'avez vu. Puis voilà. Bah écoutez, on va peut-être passer à table et j'en prendrai après. À toutes. Tirage au sort du fondant de demain. Et le gagnant sera Pomme Cannelle. Ouais, non, toujours pas. Clafoutis. D'accord, super. Il est une. Non, minuit 51. Je viens de faire le tirage au sort du fondant de demain. Donc j'ai eu deux choix, soit pomme cannelle, soit clafoutis. Donc ça sera clafoutis cerise. Je suis dans un état de larve absolue, clairement. Donc voilà, je viens clôturer le vlog. J'ai fait un peu le montage et je vais le publier. Mais là, je suis claqué. Tout ce que je veux, c'est dormir, clairement. Oui, j'ai envie de dormir à minuit, les gars. Presque 1h du matin, mais j'ai envie de dormir. Et faut que j'aille me. Je vais pas me doucher, je vais prendre un gant et me laver au lavabo. Je suis pas en état de prendre une douche parce que si je prends une douche, je vais être réveillée. Moi, j'aime me réveiller et c'est pas bon. Donc, ouais, je vais prendre un gant et je vais aller me laver au lavabo. Voilà, je vais faire ça comme ça. Donc, ouais, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner, à cliquer sur la notification. Et je vous dis à demain dans un prochain vlog. Salut!